Ce matin, donc je suis obligé de regarder un peu de près mon fil conducteur. Je vais d'ailleurs accueillir en premier donc la présidence du conseil départemental dans la personne de Maryse Le Goff que j'ai aperçue ici, voilà, et qui représente Marc Lefebvre, le président du conseil départemental. J'accueille également. Je ne l'ai pas vu arriver, mais je sais qu'il y a des représentants, puisque j'ai aperçu aussi Jacqueline Maillard, entre autres, Stéphane Voisin et d'autres qui sont vice-présidents de la communauté de communes de la baie du Cotentin, et en attendant sans doute la venue de M. Jean-Pierre Lameur, et donc, mesdames et messieurs les vice-présidents. J'accueille également. Mesdames et messieurs les maires élus de la communauté de communes de la baie du Cotentin en général, mes chers collègues de la commune nouvelle de Picauville, et maintenant, notamment, monsieur le major général John Williams, qui est parmi nous, les officiers, les sous-officiers et l'ensemble des militaires américains présents. J'accueille également le lieutenant-colonel Franco Lazzaro, attaché d'ambassade d'Allemagne à Paris, sous-officier et l'ensemble des militaires allemands présents, je crois sous le commandement du commandant Botcher. Monsieur le
commandant également de la communauté de brigade et gendarme de la communauté de brigade, mesdames, messieurs les anciens combattants et réservistes, et j'en vois pas mal, mesdames, messieurs les présidents d'associations et bien sûr d'associations, je dirais, correspondantes, enfin, ou afférentes au problème du 6 juin et du débarquement. Mesdames, messieurs, merci pour votre présence. Je vous présente Madame Clench, qui va être ma traductrice. Nous allons traduire, nous allons essayer. Nous sommes nombreux ce matin, érigé par l'association Picomi se souvient, dédiée à la 9e US Air Force et à l'ensemble des troupes aéroportées en mémoire à toutes les victimes militaires de la nuit du 5 août 1944 sur le territoire de Picoville. Il y a donc aujourd'hui presque 75 ans. Those who are dedicated to remembering the courage and strength of the men who fought for our freedom. Today, we honor our heritage. We honor the service members who fought and died in World War II. 75 bravery and heroism by Allied forces on D-Day continue to resonate with U.S. forces in Europe and remain steadfast in their commitment to European allies and partners. I stand with you in Picoville. We feel the magnitude of this region's history in many ways. As an aviator myself, I think of the months leading up to D-Day. The U.S. Air Force, then known as the Army Air Corps, relentlessly battered the bridges, the beaches, to pave the way for the Allied landings. As the invasion commenced, the Army Air Corps bravely battled dense cloud cover, thick fog, and aircraft fire to drop 15,000 paratroopers along the flanks of the main assault force, an incredible undertaking. The losses were numerous. 12,000 Allied aircraft to over 14,000 sorties on D-Day. Sadly, 127 aircraft were lost. Lost, but not forgotten. We honor those in whose footsteps we follow. We honor them by remaining ready today to face an increasingly dynamic regional security environment in Europe and around the world. While the nature of war has changed dramatically and the battlefield has shifted into more complex domains, the courage and valor of the service members who took part in D-Day are everlasting. D-Day gave birth to modern-day multinational operations and forge partnerships and bonds we highly value and continue to benefit from today. As a military officer, I reflect on just how daring the D-Day plan truly was. It took the collective efforts of land, sea, and air power to attempt the largest beach assault ever attempted. Imagine standing in the boots of these heroes as they prepared to mount such a courageous task. An undertaking that forged the partnerships and reinforced transatlantic bonds that endure even now. It was truly an epic multinational operation whose legacy is indeed eternal. As an American, I'm very thankful for your friendship, for the bond our two nations have shared over the last 75 years. Our strong and steadfast alliance has allowed us to stand resolute in the face of tyranny. Together, we will continue to find the means to combat tyrants both on and off the battlefield, wherever and whenever freedom is threatened. I'm grateful to the men and women whose courage and leadership did not let the world falter in the face of fear. Our nation sought a better day and a better way of life through sacrifice, though many paid the ultimate price. Picoville is a place where the Normandy invasion is forever ingrained into the people, the culture, and the countryside. Again, I thank the community in Picoville for establishing a tradition that commemorates the events of 1944 and for constructing such a beautiful movie.
des feux de germes, des feux de fer par les enfants accompagnés par des militaires. Des fleurs par les enfants des écoles de Piqueville. Sergent Melvin Schlumberger, Radio Dad, Activité in Action. Kenneth A. Beatty, Kilidel in Action. Roy I. Speak, Kilidel in Action. Eugene E. Middleton, Kilidel in Action. John D. Hall, Kilidel in Action. Colin Campbell, Kilidel in Action. Craig G. Cunningham,
qui était en action. Robert C. Hansen, qui était en action. Robert M. Zemoni, qui était en action. J. A. Shea, qui était en action. Augustin Gonzalez, qui était en action. James D. qui était en action. Salvatore M. Zaffarera, qui était en action. Luther F. Morrison, qui était en action. Eric William, qui était en action. Benjamin F. Quinn, qui était en action. Action. Melville E. Edwards. Joseph C. Sayoni. M. Luke. Action. John C. Berman. Missing Action. Frank F. Goodall. Killed in Action. Walter I. Simons. Killed in Action. Walter I. Simons. Killed in Action. Sharp. Killed in Action.